Bonjour, je m'appelle Françoise Moulon-Tabournel, je suis votre professeure d'encadrement et aujourd'hui nous allons aborder comme technique la technique d'entre-deux-verres. Comme son nom l'indique, le document sera placé entre deux verres. Cette technique permet des réalisations d'une grande légèreté et avec beaucoup de fantaisie. Le cours va commencer et aujourd'hui nous allons encadrer, comme vous pouvez le voir, une œuvre qui est une broderie au point de croix. Les différentes étapes de cet encadrement seront les suivantes. Bon, maintenant, nous avons donc le document qui est une broderie au point de croix. Dans un premier temps, nous allons déterminer la fenêtre ribage de cette broderie et la tendre sur un carton de fond. Comme vous pouvez le constater, l'ouvrage est maintenu sur son support d'une façon réversible, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez récupérer sans dommage. Nous nous retrouvons donc avec un carton de fond ouvert à marge 2 cm et une cartonnette ouverte à marge 1,1 cm. Nous allons les recouvrir successivement de ces deux papiers fantaisie. Le carton de fond sera recouvert avec ce papier fantaisie à fond blanc et à petites rayures. Et la cartonnette sera recouverte du papier rouge qui rappelle la couleur du document. La cartonnette ayant été collée avec le carton de fond, mettre l'ensemble sous presse jusqu'à séchage complet. Nous allons prendre le deuxième carton de fond. Et comme l'indique ce schéma, ce deuxième carton de fond se pose sous l'ensemble des deux verres. Il a pour but de maintenir l'ensemble dans le cadre au moyen de têtes d'hommes. Et il sera ouvert à marge 1,5 cm. Nous avons donc maintenant tous les éléments pour constituer l'encadrement. Le carton de fond de 1,5 cm qui se trouvera sous les deux verres. Le verre sur lequel sera fixé le document, qui est l'ouvrage que vous voyez ici. Ensuite viendra l'ensemble carton de fond et cartonnette, et avec bien entendu l'ouvrage au même niveau. Ensuite le deuxième verre, et enfin le cadre dans lequel sera mis tous ces éléments. Les principales étapes de cet encadrement dont vous venez d'avoir un aperçu sont évidemment très détaillées tout au long du film. Je vous dis donc maintenant à bientôt. J'oubliais, à la fin du cours, 7 à 8 modèles d'entre-deux-verres vous sont présentés avec les explications et les schémas.